Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. La semaine dernière, nous rencontrions William Henry Hudson, naturaliste. Aujourd'hui, découvrez un texte tiré de l'ouvrage Un flâneur en Patagonie, où il nous parle de la relation entre la nature et les humains, de manière poétique et riche de modernité. La vie est rude dans la nature indomptée ou partiellement domptée, mais elle exerce un merveilleux attrait. Chez nous, en Angleterre, la nature est une tâcheronne patiente au pied de plomb, mais toujours obéissante, qui s'acquitte de sa besogne sans se plaindre, malgré son visage morose, jour après jour, année après année, qui jamais ne se révolte, jamais ne murmure contre son mauvais maître, l'homme. Parfois, pourtant, les forces lui manquent et elle ne peut terminer la tâche qui lui a été assignée. Combien il est étrange de voir cette stoïque, immuable créature transformée par-delà les mers en un être étourdi et capricieux, qui refuse de se laisser entièrement gouverner par vous, en une belle et perverse ondine, qui vous ravit par son originalité et se montre d'autant plus aimable qu'elle taquine davantage. Un être qui toujours va aux extrêmes, du rire aux larmes, tyran et esclave tour à tour, qui fait tantôt avec entrain plus que ce que l'on exige d'elle, puis met en pièces le labeur de la veille, ou, frénétique mégère, enfonce ses dents malignes dans la main qui la frappe ou qui la caresse. Tous ces changements rapides et incompréhensibles, même les plus terribles, les plus vexatoires, même ceux qui détruisent vos desseins, n'en intéressent pas moins votre esprit en suscitant en vous des énergies latentes que vous avez de la joie à découvrir. Mais vous n'avez pas encore sondé toutes ces profondeurs. Vous ne pouvez imaginer, en voyant ces sourires fréquents et joyeux, à quelles extrémités son furieux ressentiment peut la porter. Parfois, comme plongé dans une frénésie soudaine par les indignités que vous lui infligez, quand vous frappez ses arbres de la hache, quand vous retournez son sol bien matelassé et piétinez ses herbes et ses fleurs, elle revêt son aspect le plus noir et le plus terrible, et comme une belle femme qui dans sa fureur cesse de se préoccuper de sa beauté, elle déracine ses plus nobles arbres et, arrachant du sol le terreau même, elle le fait tournoyer dans les airs pour obscurcir d'une manière plus horrible le firmament. Et comme si les ténèbres n'étaient pas assez terrifiantes, elle transforme le chaos qu'elle a créé en un foyer d'intolérable lumière, le monde solide est ébranlé jusqu'en ses fondements par la rage de ses coups de tonnerre. Quand la destruction semble sur le point de s'abattre sur l'homme et sur son ouvrage, quand vous êtes abattu, et près de mourir de terreur, voici que son humeur change. La furieuse passion s'est épuisée d'elle-même, il n'en reste plus trace. Levant les yeux, vous n'apercevez qu'un sourire paisible et rassurant. Ces sublimes humeurs sont, pourtant, peu fréquentes et bientôt oubliées. L'homme apprend à mépriser les menaces d'un cataclysme qui ne se produit jamais, et il recommence à abattre les arbres vénérables, à retourner la terre, à donner en pâture à ses troupeaux les herbes, les fleurs de la nature. Il finira par vaincre la sauvage, mais pas encore toutefois. Des années durant, elle luttera pour conserver son antique et douce suprématie. Lui, il ne peut altérer d'un seul coup le vieil ordre des choses auquel elle se cramponne avec ténacité, comme le pot rouge à sa sauvage vie. L'effort qu'elle a accompli pour l'effrayer a échoué.
Il rit de son masque terrifiant, car il sait que ce n'est qu'un masque. Et ce masque l'étouffe. Elle ne peut l'endurer longtemps. Elle le jettera pour lutter d'une autre manière. Elle se pliera sous le joug et se montrera docile pour trahir l'homme et finir par le vaincre. Elle inventera pour lui faire du mal mille tours, mille étranges surprises. Elle bourdonnera à ses oreilles sous mille déguisements et percera sa chair avec des dards. Elle l'écœurera du parfum des fleurs et l'empoisonnera de miel sucré. Et quand il se couchera pour reposer, elle l'épouvantera par l'apparition soudaine de deux yeux sans paupières et d'une langue fourchue et frétillante. Il répand la graine et, quand il s'attend à voir se lever les pousses vertes, la terre s'entrouve et, ô surprise, il en jaillit une armée de jaunes sauterelles au long visage. Elle aussi, cheminant invisible à son côté, elle a répandu sa miraculeuse semence avec la sienne. Il refuse de se laisser vaincre par elle, il massacre ses créatures rayées et tachetées, il dessèche ses marais, il consume par le feu ses forêts et ses prairies, ses êtres sauvages périssent par myriades, il couvre ses plaines de troupeaux de bêtes à cornes, d'onduleux champs de blé, de vergers lourds de fruits. Elle dissimule son courroux dans son cœur. Secrètement, elle sort à l'aube et souffle dans son clairon sur les collines pour appeler à l'aide ses innombrables enfants. Elle est aux abois. Elle crie à ses enfants qui l'aiment de venir la délivrer. Et ils ne tardent pas. Du nord et du sud, de l'est et de l'ouest, ils accourent par armées de créatures rampantes, par nuées qui obscurcissent l'air. Souris et grillons pullulent dans les champs. Mille insolents oiseaux déchiquettent les épouvantails dont ils emportent la paille pour en garnir leur nid. Tout ce qui est vert est dévoré, dépouillé de leur écorce. Les arbres se dressent comme de grands squelettes blancs dans les champs nus et désolés, craquelés et roussis par un impitoyable soleil. Quand l'homme est au désespoir, la délivrance arrive. La famine s'abat sur la horde formidable de ses ennemis. Ils se dévorent les uns les autres et périssent jusqu'au dernier. Lui, il survit pour se lamenter sur ses pertes, pour faire de nouveaux efforts, indomptés et résolus. Elle aussi, elle se lamente sur les enfants qu'elle a perdus et qui, devenus des cadavres, ne servent qu'à fertiliser le sol et à donner une force nouvelle à son implacable ennemi. Et, elle aussi, elle est indomptée. Elle sèche ses pleurs et se remet à rire. Elle a trouvé une arme nouvelle qu'on ne lui arrachera pas de longtemps. Avec d'innombrables et humbles petites plantes, elle fabrique les puissantes herbes nocives. Elle jaillit sous les pas de l'homme, le suivent partout et s'emparent de ses champs comme des parasites suçant leur humidité, tuant leur fertilité. Partout, comme par miracle, s'étend le manteau de riches et vertes feuilles malfaisantes, et le blé est étouffé sous de belles fleurs qui ne produisent que des graines amères et des fruits empoisonnés. Il pourra les couper le matin, la nuit, elles repousseront. Avec ses herbes bien aimées, elle usera son courage et brisera son cœur. Assise à l'écart, elle rira cependant qu'il se sentira lasse de l'inutile lutte. Et, enfin, quand il sera prêt de s'évanouir, elle se remettra en route et claironnera sur les collines pour appeler ses innombrables enfants, afin qu'ils accourent et l'anéantissent définitivement. Retrouvez l'ensemble des chroniques sous la canopée sur la chaîne YouTube de Monsieur Green, une playlist musicale, des conférences et bien plus. C'est tout pour aujourd'hui. Excellentes vacances d'été à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? Oh, 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 c'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Moi, Green, oui. Green, comment? Oh, super Green. Green, aussi green que ça peut être. Green, la puissance des Green, 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 tu vois? Mais tu vois, Green, Green, absolument. Green, Green, Green.